Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui déjà pour le 10e épisode de notre survie modée, notre aventure de l'été. N'oubliez pas le pouce bleu et bombardez-moi de likes. Cet épisode, c'est le 10e et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, les amis, vous savez ce qu'on va faire? On va découvrir une nouvelle mine, enfin plusieurs nouvelles mines apparemment. On va un petit peu miner pour se restuffer parce qu'on a absolument plus rien. J'ai fait les décorations en off. Alors c'est malheureusement pas comme ce que j'aurais voulu vraiment que ce soit à 100%, mais tout de même c'est déjà sympathique. Au niveau, alors là voilà, j'ai mis le dernier sofa que je voulais. Très très bien, très posé. Alors on n'a pas de télévision malheureusement, hein. En même temps l'électricité ici c'est un peu compliqué, mais on en a pour le frigo qui est là. Voilà, le frigo qui est là, j'ai mis le panier avec les fruits ici, un petit damier de cuisine pour se laver les mains, le lavabo ici, un petit grill mais qu'on ne peut pas utiliser visiblement. Alors soit c'est décoratif, soit j'ai pas encore essayé de découvrir, donc ouais, visiblement c'est décoratif. Il me semble bien, les fours, en fait les fours j'ai préféré en laisser, même si ça fait peut-être un peu con, parce que du coup je sais pas encore si on peut faire cuire des minerais là-dedans. Ce qui m'étonnerait, je pense que là c'est que pour les aliments, donc on verra bien si on peut faire fondre tout ce qu'on veut. J'enlèverai les fours, mais à mon avis ça m'étonnerait. Le petit frigo qui est juste ici, bon j'ai pas encore rangé quoi que ce soit, hein, très sincèrement. En même temps, qu'est-ce que tu veux mettre dans le frigo là? Là, il n'y a rien que tu peux mettre dans le frigo, concrètement. Tout est cuit. Ici, j'ai mis les petites cabinets, non, des petites armoires, étagères, comment ça s'appelle, je ne sais pas. Et puis là, on peut poser nos items en haut. Voilà, ça sert pas à grand-chose. Ensuite, pour en haut, voyons voir comment c'est fait. Bah, j'ai fini la petite table, toute sympathique, toute mignonne. Alors, j'ai réfléchi aussi à un truc. Là, j'ai fait la chambre. J'ai fait la chambre qui est, je vous l'accorde, assez triste. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de déco. Je suis un peu déçu, mais en même temps, il n'y a pas non plus 36... Enfin, en fait, on a 36 000 blocs de possibles, mais voilà, ici, la table de nuit, bah, c'est tout en fait. C'est juste que tu as 1 million de variantes de table de nuit. Alors, on pourra faire ici, là, les big paper wall. Et d'ailleurs, je suis bête parce que je peux le faire déjà. J'avais oublié que je pouvais le faire, je l'ai pas fait, bah on le fera. On le fera, vous inquiétez pas. Hop, j'ai mis des stores ici, comme ça la nuit, on est tranquillou bilou dans le noir. Et en fait j'ai réfléchi, je me suis dit je vais pas en mettre ici ni là, parce qu'on est en hauteur, on se sent safe. Et bah ça fait quand même plaisir d'avoir une belle vue. Parce que le problème c'est que bah très sincèrement, en bas, bah c'est un peu dommage. On voit pas grand chose. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Et enfin, tout en haut, bah j'ai rien fait. Voilà, tout en haut j'ai rien fait parce que je réfléchissais, je savais pas quoi faire. En fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre les coffres en haut. Tous les coffres, je vais les mettre en haut. Et comme ça, en bas, je peux faire une grande cuisine. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, ce serait incroyable. Là, on ferait une grande cuisine, super stylée, réaliste, etc. Problème, c'est que j'ai la flemme, quoi. Si à chaque fois, j'ai besoin de chercher les coffres, je dois aller tout en haut. Eh frérot, faut pas pousser mémé dans les orties. Je pense que ça vous saoulerait bien plus que ce que je ne puisse imaginer. Donc, voilà. Bon, les amis, on est parti ou on n'est pas parti? Je pense qu'on est parti. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire plaisir. Avant toute chose, attendez, j'ai des sticks qui doivent traîner à quelque part. Pas du tout, pas du tout. C'est pas grave, heureusement j'ai du bois. Le bois maintenant qui ne me sert plus à grand chose en termes de décoration, donc ça c'est cool. On va pouvoir en profiter. On va se faire deux pioches parce qu'on est un petit peu des dingos. Voilà, j'ai envie de vous le dire, on est des dingos. Épée, on va s'en refaire une en fait. Épée, on va s'en refaire une parce que je la sens pas cette histoire. J'ai pas envie de faire 32 allers-retours, je vais pas vous mentir, un petit peu la flemme. Hop, voilà. Donc ça on peut laisser là, ça on met ici, ça on met là, j'ai un petit peu ma voix qui part en steak, j'en suis désolé. Les torches, très important les torches, ah je me disais bien qu'il manquait quelque chose, je me disais bien. Et bien voilà, hop, on va faire ça, tac, tac, oh, je sais, je pourrais utiliser les bambous, on va en prendre tout à l'heure d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Voilà un petit stock de torches qui est fait, carré, c'est carré totalement, j'ai l'impression que j'ai tout, mais en même temps j'ai pas tout. Voilà, je pense que j'ai tout. On va y aller. Oh, vous savez quoi? Attendez, oui, je suis chiant. Ouais. Je sais. On va prendre ça. Enfin, juste un en fait. Voilà. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Allez, on y va. On est parti. Ah, vous l'avez vu dans ma chambre aussi. J'ai fait un lit. Voilà, très important. J'ai quand même fait un lit enfin. Ça fait quand même plaisir. Et on peut se poser là, tranquillou bilou, avec le bruit des clochettes. Enfin, c'est pas des clochettes, c'est les carillons. Voilà, c'est très joli. Je vous l'ai déjà dit. J'aurais dû prendre le bateau. C'est pas grave. Promenons-nous un petit peu à pied, hein. Nous sommes encore des personnes jeunes et dynamiques. Donc autant y aller à pied. Je suis très en forme aujourd'hui, vous l'aurez compris. Moi je suis très excité avec mes petites oreilles de cochon. Je suis un petit peu votre petite cochonne. Voilà pour cet épisode, j'ai envie de vous le dire. Bon les amis,
J'espère que vous kiffez votre été. Voilà, forcément, 10e épisode. On doit être au mois de juillet, si tout se passe bien. Et donc c'est l'été. Oh là-haut, comment ça se passe? Ça fait des bébés ou quoi? Je pense que oui. Oh, on me dit donc, mais c'est que c'est mignon. Parfait, je pense qu'ils ont tout bouffé, les cochons. Voilà, et ici, ils ont tout bouffé aussi. Très bien. J'aurais dû venir avec des cisailles. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc là, en fait, je voulais mettre un petit panneau. Mais c'est complètement con. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais dit que ça marchait pas. Et on sait pas pourquoi. Ah, suis-je bête? Ah, j'avais zappé. Non mais vraiment, ça marche pas. ça dégage. Allez, on y va les amis. Évidemment, on va enlever le shader. Oh, j'ai cru que j'avais pas le bouclier. Oh, j'ai failli m'insulter. Donc là, voilà les petits escaliers que vous connaissez. Oh, ça fait peur. Ça fait peur. Attendez, j'enlève le shader, à tout de suite. Et bien voilà, de retour les amis. Oh, bah ça fait tout de suite un petit peu moins peur. Bon, on est parti. Donc là, évidemment, vous l'aurez compris, on va prendre tout. On va prendre tout, tous les minerais qu'on voit, parce que clairement, même le charbon, on en a plus. Vous l'aurez compris. Voilà, ça, avec ça les gars, je vous le dis, c'est le début de la richesse. On va aller très très loin. Bon, les amis, on est parti. Oh, des champignons. Est-ce que je prends les champignons? Tu sais quoi, je vais prendre des champignons. Vous croyez qu'on peut faire quelque chose avec? Ouais. Ah, on peut faire une petite soupe. Soupa pimunano. Rien à voir. Ok, et eh ben c'est tout. En fait, on peut rien faire avec. Hop. Next. Le charbon, on prend avant de partir en mine. Et on est tout bon. Ah là là, les frérots, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Alors, j'essaie de réfléchir. Cet épisode, il sortira, je pense, la semaine du 5 juillet. Peut-être que la vidéo sortira le mardi 6 juillet. Si c'est ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire « Mkolo, t'es trop fort parce que t'as trop un bon timing ». Voilà, ça fait un long commentaire, je vous l'accorde, mais bon. Eh, pipez-moi. Non, par contre, nous, on partira en vacances avec les acolytes du 19, c'est ça? Oui, du 19 au 24. Enfin, du 19 au 25, disons, voilà, bon, bref. Du 19 au 24. Donc, quand les épisodes sortiront du 19 au 24, eh bien, nous serons... Enfin, du coup, je ne serai pas chez moi. Ah, ah, putain! Pardon. Ah, j'ai peur. Oh, merci à toi. Oh, ça fait toujours plaisir. Un petit cadeau comme ça, je prends. Ah, ça, je suis preneur. Bon, les amis. Oh, ça, c'est... Ouh, un peu de frayeur, quand même, hein. C'est un peu l'épisode... En plus, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Je ne sais plus... Oh, il y a un Enderman, vous l'avez vu. Je ne vais pas le regarder droit dans les yeux. Je vous invite à le regarder vous-même. Je bégaye. Ça y est. Et la mine est gigantesque, hein. On a bien fait de venir ici en vidéo. Parce qu'à mon avis, on va se paumer, mon pote. Oh là là, oh, c'est magnifique. Il y a encore un squelette, hein. Un squelette qui me veut du mal. Ça tombe bien, je lui veux pas du bien, moi. Ah ouais, j'ai vu de la lave en bas. À mon avis, on va trouver du diamant. À mon avis. Ouais, c'est vrai, hein. On est au 10e épisode, ce serait pas mal de trouver du diamant un peu quand même. On a un seul diamant. C'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Oh, il a bandé son arc. Je vais le faire débander, vous inquiétez pas. On va descendre paisiblement. Faites-moi confiance. Il y a une cascade d'eau, c'est les chutes du Niagara, mon pote. Ah, fuck. Voilà. Je gère. Je gère pas du tout. C'est un peu un casse-tête, hein, ces cavernes, mais on aime bien. Finalement. Merde. Voilà. Voilà. Un petit escalier, comme ça il peut venir, le squelette. Je suis gentil, hein. Salut. Nul! Bon allez. On va essayer de safe en rush. Ah putain, je me disais bien qu'on me tirait dessus. Oh, il y a un chapeau! Oh non! Meurs pas! Oh non, non, il faut que je le tue. Je veux son chapeau. Du lapis, parfait. De l'or, parfait. Par contre, ouais, je crois qu'on est dans la meilleure grotte du jeu, hein. Ah, je vous le dis. La grotte est gigantesque, elle part dans tous les sens et elle a l'air d'être profonde. Profondément profonde. Donc clairement en termes de diamants, je pense qu'on peut se mettre très très bien.
Et puis surtout niveau minerai classique, hein, mine de rien, on commence à se refaire quoi là. Hein. J'ai envie de vous dire. Pas très tropical là pour le moment, ça c'est sûr. La redstone, on en prend parce que ça fait aussi de l'XP. Et on aime bien l'XP. Je rappelle qu'on a un objectif qui est d'atteindre niveau 100. Alors sincèrement, je pense que ce sera du full focus dans le nether. Hein, parce qu'à un moment donné, l'XP ça va prendre 30 ans à monter mon pote. Mais si jamais on a besoin de faire des enchantements, là au moins on a aussi un petit peu d'XP. Alors, cette chute d'eau, tu la vois? Bon, elle commence à m'embêter un petit peu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On bouge. Voilà. Une bonne chose de faite. De l'or. J'adore l'or, vous savez qu'elle est très belle. Hop, on prend. Ça c'est carré. Dites-moi en commentaire là le... le mec. Combien de l'or vous connaissez non pas seulement dans votre entourage hein, je parle bien dans, dans le monde, dans tout le monde entier. Genre l'or manoudou voilà bah c'est un petit peu ma seule référence que j'ai. Non y a pas une lore jamais de la vie faire ce que je viens de faire hein. Y a pas d'autre lore là tant que je connais lore alors dans mon entourage bien sûr mais ah je vais pas je vais rien dire mais lore si Laura Lone, voilà c'est une humoriste comédienne, non c'est une humoriste, elle est rigolote. Enfin c'est le principe des humoristes d'ailleurs hein, parce que les... Après remarque qu'il y a des humoristes qui sont pas rigolos, ça c'est pas faux hein. Ça c'est pas faux. Et c'est pas faute de leur dire hein. Ah là là, on a de la lave juste au-dessus de notre tête. Et ça, je vous le dis, ça me chauffe le crâne. Allez on se casse. Ça c'est fait. Bon, moi, oh what the fuck! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais what? Mais c'est du jamais vu! Mais c'est... Mais en plus il a un pantalon sur la tête! Mais c'est du jamais vu! Mais ils sont des millions! Ah! Voilà! Mais les gars! Eh, heureusement que je me suis refait une nouvelle épée, hein, moi je vous le dis. Ça va en vrai, c'est des zombies. Attendez, j'ai pas envie de me retrouver bloqué. Ça me fait peur, putain. T'entends ou pas? Ça me fait peur. C'est bon? Voilà, au moins il tombe, il meurt. Et ça... Ah! Je n'exagère pas. Hein. Il y a plein de spiders. Non mais... c'est un sketch. Eh venez, on va safe ici. Ok, ok. De l'émeraude. Attendez les gars. J'entends des bruits. J'entends des bruits. Du diamant! Oui! Oui, du diamant! Ah, quel bonheur! Oh, j'en peux plus de cet épisode! C'est trop cocasse! C'est trop cocasse! Bon! Et je crois qu'on en a pas mal! 1, 2, ouais, ça va être 4. Oh! 5, 6, oh! 7, 8, 9, 10! Non, pas du tout! Non, c'est pas mal 9 quand même, hein! Faut peut-être pas non plus trop en demander hein. Là on a de quoi se faire un petit plastron en diams. Et ça, ça, ça je dis oui hein. Alors là mon pote, mon pote à la compote. Ah je suis content. Ah je suis content. Ah ouais j'ai bien fait d'être venu par là quoi. Putain mais cette grotte. Et là, là dites-vous on est à la couche 18. C'est à dire que de base on est bas. Et ça c'est dingue. Ça c'est dingue. Ah je suis content, je pense que... Enfin non ça va dépendre Ça va dépendre mais à mon avis on va rester plusieurs épisodes ici hein. Très honnêtement hein. Parce que là, bon après je dis ça mais en vrai il me reste plus qu'une pioche déjà. Il me reste plus qu'une pioche. Hop. Voilà. Bon, l'émeraude aussi. Le fer, l'émeraude tout ça on prend. Après les minerais en trop entre guillemets je les prendrai en off si jamais hein, quand tout sera safe.
Mais là, je prends. Là, je prends, je vois, je prends. Je vais pas vous mentir. Avec l'émeraude, on peut faire des speaker blocks. On avait déjà vu ça. Comment on fait ça? Facile. Purple stained. Ah non, il faut de la purple. Et pour ça, il faut ça. Frérot, encore faut-il m'expliquer. Non, mais ça, à mon avis, ça vient des du bois spécial dans des biomes spéciaux. Ça va me prendre la tête. Je vous le dis. Là, y'a rien. Si, y'a du fer. Ouais, je pose pas de torche, hein, je suis un petit peu économe, hein, comme on dit. Vous savez, mes grands-parents ont connu la guerre. Hop, voilà. Il y a encore du charbon ici. Ça fait toujours un peu plaisir. Ouais, parce qu'en vrai, putain, pour les torches ou pour les fours, quand même, le charbon, c'est quand même la vie. Voilà, ça c'est fait. On y va. Ah, il y a encore du charbon là. Ah, oh, il y en a un petit peu partout en même temps. Donc j'irai récupérer ça. Ultérieurement, je pense. Salut. T'es un peu lent, hein. Je te croyais plus rapide. Sans mentir. Hein. Ah! Ok, ça c'était sûr. Ah, lui, je l'ai senti venir, mon pote. Eh, hein. Hey, il a une tête de Shrek. Shrek. Ah ouais, j'ai bu. Eh ouais, Shrek Bini. C'est amusant. Est-ce que vous pouvez me foutre la paix? Sans déconner, là. On est où? On est où? Arrêtez tout! Putain. Bon, on va y aller. On va safe. Pas le choix, il y a des squelettes, vous inquiétez pas, je les ai vus, mon cul. Ils sont des millions! Ils sont beaucoup trop nombreux. Ah! Arrêtez! Oh oui! Oh, ça aurait été beau! Ça aurait été beau! Allez, bande, bande, bande! Hop! Il y a des bandes. Voilà. Ils sont des millions, mon pote! Mais c'est un scandale! C'est un scandale! Attendez, par là. Y'a rien. Oh, attendez. Si, y'a encore un truc en haut. Oh, c'est phénoménal. C'est quoi ça? Attendez, y'a des nouveaux mobs. Je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais couper l'eau. Ah! Putain. Ah! J'ai peur. Oh là là, mais c'est... Mais ça descend encore. Ah! 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 Mais putain, mais c'est pas vrai. Et pourquoi c'est rouge, là? Pourquoi il y a une atmosphère rouge, les gars? Attendez. Ça me fait flipper. J'ai trop peur, punaise. Non mais attendez, mais cet épisode c'est un best-of à lui tout seul. Allez. Merci à tous. A bientôt, à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne, hein. Attendez, je sais même plus où donner de la tête. C'était quoi ce bruit? En fait, il y a du diamant. Il y a du putain de diamant, mon pote. Non mais gros, abuse pas. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée que j'aille là-bas? Au vu du bruit que j'ai entendu. Oh, ça va où, gros? Alors là, mon pote. Ah oui! Voilà, faites l'amour! Faites l'amour et la guerre! Vous voulez que je vous aide? Allez! Qui va gagner, Régis? Thibaut? Régis? Et c'est Thibaut! Bravo! Bon, allez, ça c'est fait. L'émeraude, non, ça se récupère pas. On va essayer d'économiser quand même. On va utiliser la pioche en pierre pour les trucs qu'on peut récupérer. Ah, punaise, quel bonheur! Quel bonheur, quel bonheur! Ça, ça m'a fait peur. Par contre, ouais, les bruits, je sais pas si c'était des bruits d'ambiance ou si c'était vraiment un truc qui allait nous tomber à la gueule, hein, très sincèrement. Ah, franchement, et là, vous avez eu tous peur. Hein. Je suis un comique. Allez, ça c'est fait. Oh putain. Hamdoulilah. Hein. Salut. Comme disent les Jones.
De l'or. Ça vaut de l'or. Ah non, c'est avec une pioche en fer ça. En fait je devrais plutôt faire comme ça. Allez. Ah j'espère que vous kiffez les amis cette série. J'espère que vous kiffez aussi cet épisode. D'autant plus. Il y a trop de bruit. C'est... Moi ça me perturbe hein. Ah. Vous allez faire quoi? Là je suis pas bien. Ah. Ouais bon alors attendez. Là je pense que c'est un peu mort. On va pas passer par là. On a bientôt fini putain. On a... punaise pardon. Je suis un peu vulgaire hein. On a bientôt fini. Ah bah voilà. C'est quoi ça là-bas? Forgotten. Il y a un monstre là-bas, il me fait peur et je connais pas. Oh, j'y vais ou pas? Il reste plus que lui hein. Oh là! J'y vais? J'y vais ou j'y vais pas les gars? Je vais mourir ou pas? Oh! J'ai peur! J'ai peur! Ah! Hey, gros! Bah alors? Bah alors? Ah! Bah alors? Oh, il m'attaque pas! You're not from Minecraft. Il m'a même pas attaqué. Et il m'a looté un Forgotten Hat. What? C'est un casque qui donne de la chance. Non? J'ai pas compris. Mais attendez, il donne des atouts. Ah oui, attendez. Il donne une armure supplémentaire. Non, une demi-armure. Ok, il donne une demi-armure supplémentaire. Ah mais non, mais c'est débile. Mais il donne plus 2 la flèche du haut et plus 100% on dirait de la chance. Je pense que c'est un truc qui donne de la chance. Genre comme ça, là. Luck. Comme ce chapeau, là. Je pense, hein. Limite, on en a plus besoin, du coup. Bah, de toute façon, on fera un test, les amis. On ira pêcher ou je sais pas. Et on portera ce casque. Et on verra si on a des beaux poissons, quoi. C'est un cul-de-sac, hein, manifestement. Très bien. Bon, on s'en sort plutôt pas mal, hein, durant cette expédition. C'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini, les copains. Mais on s'en est plutôt bien sorti. Allez, on récupère les minerais. Avant de continuer nos expeditions. Et nous sommes actuellement sous l'océan, comme vous pouvez le constater. Nous sommes sous l'océan Atlantique, précisément. C'est absolument faux, je dis des choses que je ne sais pas. Hop. Allez, ça c'est pour moi. Voilà. On se casse. Bon, le charbon, bah c'est safe ici, je pourrais y retourner. Il y a de la redstone aussi. Par contre, le fer en prio. Hein. Le fer en prio, moi j'ai la flemme. Mais le charbon, je pourrais récupérer. Allez, allez, pour le plaisir, pour le beau jeu, j'en prends un petit peu. D'accord. Parce que là, on est à pas encore un stack. Donc c'est un peu tendu. Et on a besoin de nouveau de torches, parce que là c'est la merde. Ah oui, il faut encore qu'on descende là, bordel. Ah, bordel, j'aime pas ça. Parce qu'après, j'aimerais ressortir, récupérer du bambou, etc., d'accord? Parce qu'on a des trucs à faire avec. Ah! Malade, lui! Complètement fou! Bon, j'ai bien compris qu'il n'y a pas d'autre accès. À part... y aller en frontal. Salut! Oh, vous m'emmerdez, hein. Je vois rien, les gars. Ah. Ils sont des millions. Ah, mais attendez, j'ai un arc. C'est bon, il s'attaque. Allez, hop. Bon, on va casser les couilles. Eh, hey, je suis un sniper ou pas? Je suis un putain de sniper. Alors? Some questions? Bitch. Allez. Next.
une spider. On voit pas grand chose. Salut mec. Alors on est bloqué. Bon, et moi je suis là pour abréger ses souffrances. Et finalement je suis quand même quelqu'un, j'ai envie de dire, de gentil quoi. Je suis quand même quelqu'un, je pense au mal-être animal. Et même des araignées. Parce que finalement les araignées, sachez-le, hein, on en parle pas assez, mais ouais, j'ai peur des araignées, la nuit ça rentre dans ma bouche. Mes couilles, ouais, les araignées, eh, jamais de la vie une araignée va rentrer dans ta bouche, si jamais ça peut vous rassurer pour cet été. Jamais de la vie une araignée ça va rentrer dans votre bouche, vous puez de la gueule. Non mais je rigole. Mais je veux dire, on a une haleine de chacal, les gars. Même quand on s'est brossé dans le soir, genre ça fait de la chaleur et tout quand on souffle de la bouche. Donc non, les araignées elles vont pas dans notre bouche, les gars. Mais vraiment, je vous assure, ça n'existe pas. C'est impossible. Même moi j'ai peur de ça, mais maintenant non. Alors oui, elle peut. Alors je suis désolé les arachnophobes, mais oui, elles peuvent totalement vous monter dessus. Bon ça, mais ça vous le sentirez pas. Oui, après vous avez des piqûres le lendemain et vous avez le seum. Mais non, elle va pas rentrer dans votre bouche. Il y a autre chose qui peut rentrer dans la bouche. Du diamant. Oh là là, c'est incroyable. Oh mais c'est fantastique. À chaque fois c'est un seul. De la lave ici, de l'or, très bien. On va récupérer. En toute sécurité, bien sûr. Voilà. Eh ben, ça y est, on a tout visité, je crois. Je crois, Michel. Il me semble qu'on a tout visité, si ma mémoire est bonne. Parce que, vous savez, des fois, ma mémoire me joue des tours. Il y a de l'or encore en haut, je l'ai vu. Bon, bah, écoutez, on va passer prendre un petit peu les minerais sur le chemin. Vous avez de la chance, le prochain épisode ne sera pas en mine, du coup. En théorie. Théoriquement, hein, je dis bien. Hop. Voilà, le charbon, c'est bon. La redstone, c'est stone. Hop. Et finalement, mon épée m'aura suffi. Hein. Incroyable. On va monter comme ça, du coup. Maintenant qu'on sait que c'est safe, à peu près. Là, il n'y avait pas d'autre issue. En haut, bah, c'est de là qu'on vient. Hein, de ce pas, on va y aller. La chauve-souris, tu ne me refais plus ça? Ça m'a fait un petit peu peur. L'émeraude, on prend. Et on va pouvoir aller dans les villages aussi pour faire des échanges. Ça va être fort sympathique, ça, les amis. Bien sûr. Bien sûr, ça va être sympathique. Putain, je revois cet endroit et je me dis, là, ils étaient des millions, quoi. Ils étaient des millions, quand même. Ah non, on n'a pas tout vu. Allez, my bad. On n'a pas tout vu. Puisque ici même... C'était la merde. Oh. Oh, c'est pas fini du tout. Oh. Creeper. Oh, c'est pas fini du tout. Oh, c'est pas fini du tout. Il y a un squelette. Oh. Oh. C'est gigantesque, les amis. On a de quoi faire encore. On a de quoi faire. Bon, les amis. On va remonter parce que là, de toute façon, j'ai plus de torches. Ici, y a quoi? C'est safe ou pas? Oh, pas du tout. Ça continue. Non, là, c'est un cul-de-sac. Je guette, hein. Et là, ça redescend. Ça descend là où on était. Oh, putain, d'accord. Ah, tu m'étonnes qu'ils étaient des millions. Ok. Très bien. Alors, je vais juste mettre une torche ici. Comme ça, on sait que c'est plus ou moins safe. Des minerais à récupérer par là et une autre grotte grande à découvrir par là-bas. C'est ce qu'on fera, les amis, très prochainement. Peut-être pas pour le prochain épisode, parce que je suis un amour, hein, quand même. Je ne vais pas vous infliger ça deux fois de suite. Par contre, faut retrouver la sortie. Voilà. Non, alors par contre, on va laisser une torche, quand même. Hein. Voilà, ça c'est fait. Un squelette à respawn, tout va bien. C'est quoi, ça? Mais attendez, stone link. Non, mais moi, je vais aller voir ça. Je vais juste mettre un waypoint, ici, pour dire mine. Comme ça, on sait que c'est, il faut explorer ici. D'accord? J'ai envie d'aller voir. Alors, regardez bien ce qui va se passer, hein. Ça va aller très vite, hein. Et de 1. Et de 2. Merde. Et de 3. C'est imperfect. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, donc c'est juste un truc qui fait peur. D'accord. J'adore. J'adore. Ok, ça c'est fait. Bon, on s'arrache, les amis. J'espère que vous avez kiffé cet épisode, mais vraiment, hein. Si c'est le cas, surtout, vous n'oubliez pas. Il reste encore des minerais, j'ai vu. Vous n'oubliez pas le pouce bleu. Et nous, on se retrouve très vite, dans 2 jours, pour le prochain épisode. Qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode? Bah écoutez, laissez-moi réfléchir. Ah! Putain, mais... Oh.
C'est pas fini du tout. Il y a encore plein de choses à explorer. Eh, je crois qu'on a un stock de chair putréfiée, mon pote. Bah écoutez, dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je n'en ai pas la moindre idée, je vais pas vous mentir. On a tellement de choses à faire en même temps. Le monument de la victoire, on pourra que le construire quand on aura du nether, du quartz. Donc là, on n'a pas le choix, il faut se focus sur le fait qu'il fasse nuit et que nous allons dormir. Hop. Il faut se focus sur le fait qu'il faut se faire un stuff quand même, d'accord? Donc, le petit stuff quand même, il va se faire un petit peu attendre. Faut crafter un voilier d'ailleurs, le voilier, j'ai oublié de nouveau. Il nous faut, ah oui, il nous faut du slime. Punaise, on a toujours pas de slime. Ah, en fait, faudrait trouver un biome de jungle, là où il y a des slimes et tout. En fait, c'est ça ce qu'il faudrait. Voilà, je vous le dis. C'était quoi le Big Paper Wall? Bah ça on fera ça pour le prochain épisode les amis. Ça va être très simple à faire. En tout cas voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. On verra ce qu'on fera. Je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo. Bel été, bel été. Hop, ça c'est fait. Allez, encore un. Ciao tout le monde.